Et salut à tous les amis, c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui sur Tremond dans Banished pour la suite, et aujourd'hui c'est objectif 500. Je pense qu'on aura peut-être du mal à l'atteindre dans cet épisode, sauf si on a une visite de nomades. Mais on va essayer d'atteindre les 500 habitants dans cette vidéo. C'est possible à mon avis si on a effectivement des nomades qui viennent nous rendre visite. Autrement, ça va peut-être être un petit peu difficile. J'ai peut-être été un petit peu optimiste quand j'ai annoncé ça de manière très pompante pour cette vidéo-là. Hop, parce que là, je pourrais faire un petit tunnel. Tiens, tunnel. Ouais, hop là, voilà, super. Là, on va pouvoir faire un petit truc aussi. Je vais certainement faire un truc genre hunting cabin, etc. Parce qu'il n'y a pas tellement de place pour développer des champs ou des maisons, donc je vais faire hunting cabin, gatherer's hut, certainement. Parce que notre production de nourriture est bonne, hein, mais bon, on n'a jamais trop de bouffe dans Banished. C'est un petit peu, ça pourrait être un petit peu la devise du jeu. Jamais trop de bouffe dans Banished. Hop. Je pourrais refaire. Ouais, on va peut-être se faire un petit truc comme ça là, un petit fishing dock, voire deux, et une hunting cabine juste là. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Allez, on la passe place quand même. 13 builders. Qu'est-ce qu'ils vendent? Chestnuts, cherry. Cherry, on n'a pas, mais... ça coûte un peu cher, là. Ça coûte un peu cher. Hop, on a plus que de 11. Hop, je vais faire la route qui va mener jusqu'ici. On va construire une grange et quelques maisons, genre une ou deux, pas grand chose, juste pour éviter d'avoir une et deux. Voilà. Hop là. Pas mal. Bon, allez, on peut aller jusqu'au 3. Et un petit puits. Le mec, il se sent plus là. Voilà. 21 builders qui vont nous construire un petit quartier là, sort de terre, sans rien du tout. Ça me plaisait de faire un petit ponton là aussi. Et j'aimerais bien faire un marché aussi. Alors un petit peu, que je regarde un petit peu. Tac. Ouais. Tac. Est-ce que... L'idéal ce serait ici. Que je regarde un petit peu, on va voir. C'est dans ici. Voilà. Market. Là, ce serait impeccable. Je vais supprimer ce champ et je vais faire un marché ici. Il n'y a pas la place là, évidemment. Là, ce serait pas mal. Parce qu'on compléterait l'aire d'influence de celui-ci, celui-ci. Et on prendrait les maisons qui sont là. Donc, ouais. Donc on va faire ça. Remove structure, on va enlever ce champ là. Voilà. Hop. Que je vais reconstruire plus loin. Parce que voilà. Il n'y a pas de raison. Crop field. Ah, il peut pas être mis là parce qu'il y a je sais pas quoi qui gêne. Alors attendez.
Voilà. Ah non, merde. Bon, ça dépasse pas de beaucoup. Non, si. Pour la beauté du truc, on va pas le faire. Quand c'est la structure ici. Voilà. Je vais donc, j'avais dit, voilà, construire un champ. On va le construire. Hop. Voilà, ici. Mais je peux en faire un côté? Je sais pas ce qui manque, mais qu'est-ce qui bloque? Un petit relief. C'est pas... Hop, on va faire ça comme ça. Et je vais mettre un market ici. Voilà, comme ça. Hop là, c'est parti. Construisez les amis. Alors regarde comment ce quartier pousse vite de terre. C'est impressionnant. Il n'y avait rien et maintenant il y a quelque chose. Hop. Ici, ça va, les champs vont pousser assez vite aussi, donc c'est pas mal. Ah, des nomades qui arrivent. Bah parfait, ils arrivent à pic. Ils tombent à pic. Allô. J'avais prévu justement avec la bouffe là, ça va nous rapporter de la bouffe aussi. Il va y avoir de la place pour eux dans les maisons. On va mettre des potatoes. Et du coup, on est à 468. Et on va mettre du squash. C'est bien le squash. Le squash, c'est bon, mangez-en. Je ne sais toujours pas ce que c'est. En même temps, mais on va dire que c'est bon. Voilà, on va se faire un petit... quartier de... Quartier DR de food. What? The food is low. What the fuck? Ah oui, c'est particulier ça. Ouais, il faut qu'on soit plus sur le courant là. Faut qu'on ait plus de choses de courant parce que là les récoltes ne suffisent plus. On consomme 22 000 là pour l'instant. Et on est qu'en late summer, on va commencer à récolter donc ça va être tout juste. On va commencer à récolter vraiment tout juste. Je vais remettre un fishing dock par ici. Je sais pas si le mettre à côté en fait c'était peut-être une idée stupide. La faire c'est qu'on va mettre des fishing docks tout le long. Il faut 92. Hop. 24. 24, voilà. Voilà. Ça va remonter, voilà, ça remonte, là on est en train de faire les récoltes, vous voyez, ça va être tout juste cette année. Mais ça c'est peut-être pas une bonne idée en fait, les mettre côte à côte. Je pense que c'est pas une bonne idée du tout même. Je vais me faire un petit réseau de fishing dock là. Ça va pas être mal, vous allez voir. Je pense que ça peut être sympa. Hop. 36 vendeurs, voilà. Là, on a commencé à récolter, mais ça a été le late summer où c'est les... où les ressources sont les plus basses, en fait, puisque vous n'avez pas encore commencé à récolter, vous êtes sur votre courant et vous avez épuisé les récoltes de l'année précédente.
Donc vous êtes sur le courant, vous êtes sur vos hunting cabines, vos machins, vos trucs, donc c'est là qu'il faut faire attention surtout. C'est ces périodes-là qui sont charnières. J'ai craqué, elle a trop la placette. Hop. C'était. J'ai un petit peu chaud là quand même. J'ai full réserve islo, je m'attendais à ce qu'on ait plus rien à bouffer dans les 3 jours quoi. En fait, ça a été. C'était. Leather, ok. Là, je suppose qu'ils doivent produire 168 et là 180, ok. On va rajouter des fishermen, voilà. J'ai tendance à penser que les choses se font toutes seules maintenant, mais non. Faut quand même mettre des gens. Stone is low. Hop. Hop. C'est une petite maison en face. La grange est pas très loin. Ils sont pas dans l'aire de mon marché. Je vais peut-être. De toute façon, un marché, je vais certainement en construire un par. Ah, là, on est en plein dans un Forester Lodge. Et je pense que. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, ici, peut-être. Ouais. Je vais en construire un autre ici. Pour prendre. Parce que je vais me développer aussi par là. Là, je vais développer des champs et des maisons par ici, dans ce coin-là, là derrière. Je pourrais mettre un fisherman sur le lac aussi. Donc, hop, je vais déjà placer mon marché ici d'avance. Ce qui va prendre cette terre d'influence un petit peu ici. Bon, ici ils auront pas, puis j'en placerai un éventuellement. Quand je me serai. Ici, ça fait vraiment peu de maisons. Puis ça va me bouffer toute l'aire d'influence de ça et de ça. Donc ça vaut pas forcément la peine. Soit il y a encore des gens qui ont pas de maison, de mes nomades, je ne sais pas. Bon, tout le monde est là. 400 outils. On va regarder un petit peu la production, comment ça a évolué. On va utiliser plus de bûches. La stone, on l'a pas mal utilisée. Le fuel c'est bon, la bouffe c'est bon, ça c'est bien, une bonne chose. Pourquoi tu produis plus? Pourtant t'as ce qu'il faut normalement. C'est étrange. Ici on a déjà bouffé un petit peu de son influence avec les moutons, donc on va éviter de la bouffer plus. Là, ça commence à produire, donc c'est bien. J'ai pas fait de route ici, il me semblait. Apparemment, non. Visiblement. Fishing dock. Ça, c'est pas mal que ça produise, voilà. Qu'est-ce qui nous vend le marchand? Des trucs dont on se fout. Je vais arrêter de lui ordérer des trucs. De lui commander plutôt que de lui ordérer. Et on va peut-être commencer. 482. Ah, on y arrivera peut-être hein, dans cet épisode. Hein. Je vais commencer à me développer par ici. Hop. Hop, voilà, les faire de ce côté-là, les champs alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 15 sur 15, voilà, ici, parfait. Je mettrai des maisons. Ici, il y a juste la place. Voilà. 1. 2. 2 petites maisons. Réserve au food is low. À chaque fois, on arrive, on est vraiment juste, hein. On est vraiment juste. Il me faut des gatherers et des hunters. Et des fishermen, je vais faire des fishermen, de toute façon j'ai plein de main d'œuvre, donc peu importe, même si c'est pas le plus rentable, c'est ce qui va me poser le moins de problèmes à faire de suite et à construire surtout.
En vérité, qui se bouffent l'air d'influence les uns les autres. Par contre. Là, il y a un truc de typhus, j'ai bien vu. Je peux en faire un là. Voilà. Hop, on va mettre. Nouveau constructeur. Voilà. Ça devient chaud là, hein. 500 habitants, ça va vous faire un peu gaffe. Parce que là, au niveau global, vous voyez qu'on est bon. Mais c'est-à-dire que c'est tout juste quand on arrive à la fin d'été, on n'a pas assez en fait de réserve. Enfin, c'est tout juste. C'est-à-dire qu'on est, on pourrait. Ce serait. Il faudrait pas grand-chose. Faudrait que si jamais il y a une infestation comme on a eu la dernière fois, ou s'il y a un problème de champ, etc. Ben, c'est pas dit qu'on n'ait pas genre une famine ou un truc comme ça. Donc. Il vaut mieux être prudent. Et anticiper un petit peu. Voilà. Tac. Fisherman, on est bon pour l'instant. Je vais refaire un verger aussi, Oakard, ici, là derrière. Hop. 48, voilà. 12. C'est un petit peu jonglé avec tous les chiffres là. Ça... Macquarie en est où? 23%, va falloir que je pense à en reconstruire une assez rapidement. Chestnut, voilà. Mais les gens sont toujours heureux et toujours bien, donc ça c'est cool. La pierre, c'est toujours un petit peu le petit souci qu'on a. Production, on est bon. De nourriture. Avec tout ce que je vais blinder de Fisherman, ils vont. J'espère qu'ils aiment le poisson, parce que là, il va y avoir de. Il va y en avoir du poisson. A building caught fire. Oh non! Oh, pas cool là. On va mettre tous mes builders en. Même les maisons en pierre, ça prend feu quoi. Là, on a 21 pour éteindre le feu. Le puits est juste à côté, c'est l'avantage. Rebuild. 12. Juste à côté du marché en plus. Imaginez par exemple un incendie. Et tout ça se perd. Imaginez le truc. Ça peut toujours arriver, hein. Ça peut toujours arriver. Et là, c'est le marasme. J'ai été plutôt chanceux niveau catastrophe. En plus, j'ai pas eu de tornade, j'ai pas eu de quoi que ce soit. Si on atteint les 500, là, ce sera vraiment, je vous dis, mon objectif. Je considérerais mon objectif pour ce let's play atteint. Et le reste, ce sera du bonus, quoi. C'est pas pour ça que j'arrêterai le let's play, bien évidemment. Mais ce sera du bonus, du maxi bonus de la mort. En mode, on est trop fort, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Je vérifie toujours nos productions. Trade. Pécan, on en a déjà, donc ça c'est pas intéressant. Used. Ah, c'est tout juste les logs. Les vêtements, ça m'intéresse aussi, c'est bon. L'alcool, c'est bon aussi. On pourrait en produire plus, je pense. Hop, voilà. La pierre, c'est un peu caca. Là, ils produisent plein de bouffe, ça c'est cool.
Voilà, là, vous voyez par exemple, ils sont fishermen. Lui, il est herdsman. Ah oui, c'est juste à côté, ok. J'ai cru que. J'ai eu peur à un moment. Alors qu'il habite juste en face. Je sais que c'était le mec qui récoltait l'herbe, mais non, c'est le mec qui s'occupe des troupeaux et c'est juste à côté, donc effectivement, ça pose pas de problème. Ah, moi, j'ai cru qu'il faisait vraiment nimp. Je vais attendre un peu avant de relancer des constructions, parce que là, niveau pierre, on est grave à la ramasse. Il n'arrive plus à suivre. Donc, bon. On va attendre un petit peu parce que j'aimerais bien lancer quelques maisons. Je veux vraiment atteindre les 500 dans cet épisode. Allez, on va en lancer quelques-unes en bois. Même si j'aime pas trop le principe. Il faut quand même de la pierre en même temps. Donc, j'ai un puits pas loin ici. Je vais reconstruire un puits d'abord avant. Je vais reconstruire un petit. Je vais lancer déjà la construction de. Hop. 1, 2, 3 maisons et un puits. Voilà. Hop. 18. J'ai pas de la pierre là. Je vais envoyer des gens récolter de la pierre. Pas très loin. Ils vont faire un sacré trajet par contre parce que la stockpile est pas toute proche. Je vais peut-être lancer aussi une storage barn à ce niveau-là. Et la place juste là derrière. Super. Et. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? J'avais une idée en tête. Je l'ai oubliée. Ah oui, une stockpile. Genre une toute petite. Juste à côté, voilà. Pour qu'ils aient moins loin à aller pour déposer leurs pierres. Juste pour mettre un petit peu la pierre, voilà, ici. Qui récolte. Qu'ils récoltent là-bas, comme ça on boostera nos constructions. Et. 493, 492. Là, il nous faut quelques maisons, on n'arrivera pas sans maisons. En plus, on a plus que 65 enfants. Donc, il faut des bébés, clairement. Clairement, clairement, clairement. Au niveau production, 57 057. Vous voyez que là, au niveau bouffe, on a. Fou, les fishermen, ça a bien boosté le truc là. On a limite trop. 19%. Ici c'est bon. La pierre est là. Qu'est-ce qui est l'eau? Stone, ouais, on sait. Surtout que là on a lancé plein de projets en stone donc. Faut que je fasse attention à mes fichiers. Voilà, 36. Il y en a encore un qui va se construire ici et un autre qui va se construire. Qui est construit peut-être? Donc qui va se construire ici aussi. Eh B. Je veux dire que le poisson, ce sera bon. Je vais baisser un petit peu le nombre de builders. Ça a pas besoin d'être, c'est pas besoin d'être une construction urgente non plus. On pourrait mettre un chasseur aussi ici. Voilà, bah, j'aime bien en avoir des laborers là qui stagnent un petit peu. Forester, on a besoin de gens aussi. Herdsman aussi, tiens. 14, voilà. On va mettre. Hop, Fisherman 44. 12. 98. Ouais, là on a plein. On a limite trop, je pense. Ah, Berries. Cherry 8. Faudrait que je regarde les. Je sais pas si on a pumpkin. Je sais pas qu'on ait pumpkin. Si on en produit, si on en vend, donc on a forcément. Me semble-t-il. Qu'est-ce qui nous manque? 1, 2, 3. Il nous en manque 5. On n'a pas pumpkin. Si on a pumpkin. Je vais regarder sur internet et je verrai bien le nombre qu'il nous faut. Et on est à. 488, on a baissé. On a baissé. Faut qu'ils fassent des bébés là, les gens.
Faites des bébés. Je construis des maisons en masse. Ce sera pas les 500 pour cet épisode, je suis désolé. En même temps, là, on s'est sécurisé la bouffe, on va avoir construire des maisons en masse. Sans problème. Pendant un petit moment. Je pense. Ah non, attendez. Hop, ça je veux pas qu'elle y soit en fait. Parce que je veux faire une route quand même qui mène à la grange ici. Hop. Donc, du coup ça fait un petit côté bizarre mais c'est pas très grave. Je vais construire une maison. Comme ça. Et une autre ici. Et une autre là, voilà. Ça sera moins bizarre. Hop. On va se faire un petit quartier là par ici, dans le marché, voilà, c'est ça. Avec le marché à côté, ce sera parfait. Pourquoi ils passent par là? Parce qu'ils viennent de là-bas. Ah oui, ils viennent chercher leur... leur bois du stockpile ici. Oh non, elle est morte pendant qu'elle donnait la vie, c'est triste. Je vérifie qu'on a tout parce qu'on a eu un petit passage à vide au niveau des laborers. Là on a plus grand chose. En réserve, j'ai envie de dire. Voilà, ils deviennent des adultes petit à petit, mais il me faut des gosses là, vous voyez, on a plus que 58 enfants. C'est-à-dire qu'on a une population qui est majoritairement adulte et plus tellement jeune. On a 368 adultes pour... Ouais, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Light Summer, et on est à combien en Light Summer? On est à 28 000, donc c'est bon, 27 000. Ça passe. Largement. Ah, ils font des bébés, là. Ils font des petits bébés. Cool! Faites des petits bébés. Et en plus là comme ça ça alimente aussi mes fishing docks et tout ça. Ça c'est cool. Voilà, ils sont en train de devenir adultes. Super, on récupère de la main d'œuvre. Et on est à 497. Peut-être qu'on. Allez, je vais aller laisser. Il reste 3 minutes de vidéo. Je vais laisser les 3 minutes. Si on arrive aux 500, ce serait pas mal. Mais franchement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on soit aussi chanceux que ça. Ça, je vais le remplacer parce que ça m'énerve que ce soit encore en terre depuis la dernière fois, enfin depuis le début du truc 498. Ouais, mais à chaque fois il y en a un qui meurt aussi, alors faut arrêter de mourir. C'est pas du jeu si tu meurs à chaque fois. Non, on n'aura pas les 500 dans cette vidéo, je pense. Étant donné ce qu'on a comme pierre, ça se construit pas assez. Peut-être qu'il me vend de la pierre, lui. Est-ce que tu vends de la pierre? Non, j'ai cru un moment, mais non. Je vais envoyer collecter la stone qui est là-bas au nord. Il y a plein de stone. Collectons-la. On a besoin. Hop là. Et eh ben, on n'aura pas les 500 dans cette vidéo, mais on y est presque. 496, je pense que quand ces maisons-là, quand les maisons, les trois dernières maisons seront construites ici, avec les bébés qui vont faire. Ça va. Oui, il est temps de s'y remettre. Il a 2 ans, le gamin. Il est temps de refaire un petit bébé là. Hein? Quand même. Je sais pas. Il y a un peu une cougar là quand même. 41 ans et 29. Bon, ça va, 10 ans d'écart, ça passe encore. Ben, à cet âge là, hein, ne déformez pas mes propos. 10 ans d'écart, 14-24, ça passe pas quoi. Bref, sur ces considérations
pleine de moralité, je vais vous laisser ici. Qu'est-ce qui est l'eau? Stone, ouais, c'est pas très grave. Et ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne qu'est-ce que n'importe quoi que vous êtes en train de faire. Et puis je vous dis à la prochaine pour cette fois-ci vraisemblablement atteindre les 400 habitants sur notre petite ville de Tremond. Eh, on a débloqué un succès. Quel est-il ce succès? On va juste aller voir, voilà, quel est-il ce succès. Build a town with 2000 stone paved road. Voilà, on a 2000 stone paved road. C'est quand même la classe. Voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et prenez soin de vous, salut tout le monde.